Bonjour à tous et bienvenue à votre émission Le Retour à la Parole sur votre chaîne de télévision Réveil TV. Donc nous bénissons encore le Seigneur pour ces temps, ces moments qui nous permettent de passer ensemble. Nous voulons simplement profiter de la grâce que le Seigneur nous accorde pour pouvoir encore partager la parole, pouvoir encore nous encourager et nous préparer au retour du Seigneur. Donc sans plus tarder, nous allons recommander les moments à la grâce du Seigneur et nous allons commencer notre partage. Seigneur, merci pour ta fidélité. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour chacune de nos vies. Bénis toutes les personnes qui nous suivent actuellement et que ta grâce, que ta faveur repose sur leur vie, Seigneur. Enseigne-nous encore par ta parole, car nous ne connaissons rien. Nous comptons sur ton esprit, nous comptons sur ta présence, Seigneur. Nous comptons vraiment sur toi pour pouvoir nous enseigner, pour pouvoir communiquer fidèlement ta pensée, Père. Au nom de Yeshua, amen. Donc merci encore de nous recevoir chez vous et par la grâce du Seigneur, aujourd'hui nous allons poursuivre sur le thème des trois horloges prophétiques. Donc c'est le troisième vendredi et nous allons par la grâce du Seigneur aujourd'hui terminer sur ce thème donc, qui porte sur les trois horloges prophétiques. En premier lieu, n'est-ce pas, nous avions parlé de l'horloge des nations. Ensuite, nous avons parlé de l'horloge de l'Église et aujourd'hui nous allons terminer par l'horloge d'Israël. Donc, pour ceux qui nous ont suivi les premières émissions, ils sont un peu plus ou moins situés. Donc, aujourd'hui, nous voulons progresser avec l'horloge d'Israël. Et sans plus tarder, on va prendre un passage dans Genèse chapitre 12 à partir du premier verset. Donc, nous sommes sur les trois horloges prophétiques. Nous avons parlé en premier lieu des nations. On a vu des signes que le Seigneur nous a laissés par rapport aux nations. Donc, on a parlé des guerres, des bruits de guerre, des famines, des fléaux, du tremblement de terre. On a parlé, n'est-ce pas, du nouvel ordre mondial, du gouvernement mondial. On a parlé de l'avènement de l'homme impie, de l'antimachia. On a parlé un tout petit peu des temps des nations. Donc, on a vu que tous ces signes liés aux nations sont des signes qui préparent le retour physique du Seigneur, donc qui préparent l'avènement du Seigneur. Donc, on a vu que par rapport aux nations, le Seigneur viendra pour mettre fin au règne, au temps des nations, pour juger les nations. En deuxième lieu, on a parlé, n'est-ce pas, de l'horloge de l'Église. On a vu tous les signes que le Seigneur a laissés par rapport à l'Église, notamment l'apostasie, notamment, n'est-ce pas, l'avènement des faux prophètes, notamment l'écuménisme. On a parlé de l'Église apostate. On a un peu vu tous les maux, n'est-ce pas, qu'on vit aujourd'hui dans l'Église qui ne sont pas nouveaux, que le Seigneur avait déjà prédit. Et on a vu que l'Église est une horloge prophétique. Pourquoi? Parce que le Seigneur doit venir chercher son peuple. Et actuellement, l'Église est en train de se préparer, comme on peut le voir dans Matthieu chapitre 25, la parabole des 10 vierges. Donc aujourd'hui, nous voulons terminer avec l'horloge d'Israël. Donc on est dans Genèse chapitre 12, à partir du premier verset. Or Yahweh dit à Abram, va pour toi hors de ta terre, de ta patrie et de la maison de ton père vers la terre que je te montrerai. Et je te ferai devenir une grande nation, et je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Donc on peut s'il vous plaît monter sur le premier verset. Donc ici c'est l'histoire d'Abraham. Et qui est l'ancêtre, n'est-ce pas, de la terre, ou qui est l'ancêtre, n'est-ce pas, d'Israël, du pays d'Israël, de ce royaume, de ce pays, n'est-ce pas, sur lequel le Seigneur est censé revenir régner. Donc on voit ici la promesse que le Seigneur fait à Abraham. Il dit, va pour toi hors de la terre, hors de ta terre, de ta patrie et de la maison de ton père vers la terre que je te montrerai. Donc cette terre n'est autre que Canaan. N'est-ce pas, on a vu au fil de l'histoire. On le verra au fil de l'histoire, comment avec Abraham, avec Isaac, avec Jacob, n'est-ce pas, ensuite avec les 12 tribus d'Israël, comment la terre d'Israël, n'est-ce pas, s'est matérialisée. Et au verset 2, on dit, et je te ferai devenir une grande nation, n'est-ce pas, je te ferai devenir une grande nation, et je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une bénédiction. Donc il dit, je te ferai devenir une grande nation, cette nation c'est Israël, constitué des 12 tribus, n'est-ce pas, des 12 fils de Jacob. Et on va dire des 11 fils de Jacob, plus les deux fils de Joseph, donc Ephraïm et Manassé, n'est-ce pas, qui ont hérité à la place de leur père.
Donc, et au verset 3, je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Donc ici, on apprend que toutes les familles de la terre devaient être bénies par Abraham. En d'autres termes, toutes les familles de la terre devaient être bénies, n'est-ce pas, par Israël, qui était la terre du Seigneur, qui est la nation du Seigneur qu'il avait promise à Abraham. Donc il a dit à Abraham qu'il devait faire de lui une grande nation. Premièrement, il dit que toutes les familles de la terre devaient être bénies en Abraham. Et on a vu au fil du temps, n'est-ce pas, l'accomplissement de ces prophéties. Donc, avec Abraham, du temps après avec Isaac, avec Jacob et ensuite avec les 12 tribus d'Israël. Mais on voit que dans l'histoire, n'est-ce pas, le peuple d'Israël est allé en captivité. En Égypte, ils ont passé 400 ans. Donc, on va un peu faire un peu d'histoire pour ceux peut-être qui n'ont pas l'intégralité, qui n'ont pas encore peut-être lu. Donc ils ont fait 400 ans en Égypte, et après, n'est-ce pas, avec Moïse, à partir d'Exode, le Seigneur a fait sortir son peuple de l'Égypte. Mais on a vu qu'Abraham, justement, a séjourné à Canaan. Après lui, Isaac aussi a séjourné à Canaan. Jacob et ses 12 enfants aussi ont séjourné à Canaan. Mais à cause de la désobéissance, ils ont été déportés en Égypte. Ils ont fait 400 ans, 4 siècles, 430 ans à peu près dans l'esclavage. Et avec Moïse, n'est-ce pas, le Seigneur suit Moïse pour sortir son peuple de l'Égypte. Et en rendant Exode, ils ont passé 40 années dans le désert. Et après ces 40 années dans le désert, autant pour moi, toutes les personnes sorties du désert de l'Égypte sont quasiment mortes dans le désert. On note Josué et Caleb, n'est-ce pas, sont les deux personnages sortis de l'Égypte qui sont rentrés à Canaan et qui sont comptés toutes les personnes, tous les enfants qui sont nés, n'est-ce pas, dans l'Égypte. Et à partir du livre de Josué, n'est-ce pas, après la mort de Moïse, de Moïse, Josué prend la relève. N'est-ce pas? C'est Josué, n'est-ce pas, qui a fait rentrer le peuple à Canaan. Mais lorsqu'ils arrivent à Canaan, n'est-ce pas, il y avait plusieurs peuples aux alentours. Les Jébusiens, les Phéréziens, les Guirgasiens, il y avait des peuples qui étaient là installés. Et il fallait, n'est-ce pas, qu'ils procèdent à la conquête. Donc, avec Josué, n'est-ce pas, et tout le peuple sorti de l'Égypte, la conquête a eu lieu. Et l'aboutissement de cette conquête, c'était, n'est-ce pas, la terre, ou la mise en place de la terre d'Israël. Donc ils ont conquis, n'est-ce pas, les terres aux alentours, ils ont annexé, ils ont pris possession de toutes les terres, de tous les peuples. Ils ont, n'est-ce pas, eu plusieurs batailles qu'ils ont remportées. Et par la suite, la terre d'Israël est née. Donc la terre d'Israël fait les 12 tribus, les 12 fils de Jacob. Voilà, les 11 fils et Manassé et Éphraïm. Donc la terre d'Israël est née. Mais qu'est-ce qui se passe? Le Seigneur a dit que cette terre devait être, n'est-ce pas, par le canal de cette terre, toutes les nations de la terre devaient être bénies. Faut pas qu'on l'oublie. Donc, en principe, dans le plan du Seigneur, dans la pensée du Seigneur, par Israël, le Seigneur voulait bénir, ou devait bénir toutes les nations de la terre. Par Israël, n'est-ce pas, les nations auraient eu, n'est-ce pas, l'enseignement qui devait nous parler du Messie, du ciel. Mais qu'est-ce qui se passe avec ce peuple? On est dans Deutéronome, n'est-ce pas, chapitre 11. Deutéronome chapitre 11 d'abord. Donc lorsque Israël s'apprête à conquérir, n'est-ce pas, les terres aux alentours, le Seigneur leur donne des directives. On va d'abord prendre un passage dans Deutéronome chapitre 11. Deutéronome chapitre 11, on va lire à partir du verset 12. Deutéronome chapitre 11 à partir du verset 12 que je vérifie. Deutéronome 11, dans Deutéronome chapitre 12 autant pour moi. Deutéronome chapitre 12, on va lire à partir du verset 8. Donc on fait un peu d'histoire, mais au fur et à mesure, le Seigneur va nous aider à mieux comprendre pourquoi Israël est un signe prophétique. Donc Deutéronome chapitre 12, on va lire à partir du verset 8. Donc après la période de la conquête, le Seigneur donne des directives à son peuple. Donc, on est dans Deutéronome chapitre 12 à partir du verset 8. À partir du verset 8, si on peut monter, s'il vous plaît. Si on peut monter au verset 8, parce que là, on est sur le 9. Verset 8. Vous ne ferez pas comme nous faisons ici aujourd'hui, où chacun fait ce qui lui semble juste à ses yeux. Car vous n'êtes pas encore entré dans le lieu de repos et dans l'héritage que Yahweh, votre Elohim, vous donne. Vous passerez le Jardin, donc vous passerez le Jourdain, et vous habiterez dans le pays que Yahweh, votre Elohim, vous donne en héritage. Donc on parle, n'est-ce pas, on présente
Israël, cette terre-là comme un lieu de repos, n'est-ce pas? On est au verset 10. Vous passerez le Jourdain et vous habiterez dans le pays que Yahweh votre Elohim vous donne en héritage. Donc cette terre leur a été donnée en héritage. Pourquoi héritage? Parce que la promesse avait été faite à Abraham, n'est-ce pas? Il vous donnera du repos de tous vos ennemis qui vous entourent et vous y habiterez en sécurité. Donc il dit que cette terre devait être une terre de repos et son peuple, donc les Juifs, les Hébreux, Israël, devaient habiter en sécurité. Le verset 11. Et il y aura un lieu que Yahweh, votre Elohim, choisira pour y faire habiter son nom. Donc il y a une ville, mais on nous parle aussi d'un lieu que Yahweh, n'est-ce pas, votre Elohim, choisira pour faire habiter son nom. Ce lieu-là, c'était Jérusalem. Parce que n'oublions pas qu'Israël, c'est 12 tribus. Et Jérusalem, n'est-ce pas, c'était la capitale du royaume de Juda. Donc Jérusalem, Juda, autant pour moi, n'est qu'une tribu parmi les 12 tribus. Donc le lieu que le Seigneur avait choisi pour faire résider son nom, c'était Jérusalem, au niveau du temple, où le temple était construit. On dit, vous y apporterez tout ce que je vous ordonne, vos holocaustes, vos sacrifices, vos dîmes, vos offrandes prélevées de vos mains, et toute offrande de choix pour les vœux que vous aurez voués à Yahweh. Donc on apprend que dans cette terre de repos, dans ce lieu que le Seigneur avait choisi pour faire résider son nom, c'est où les sacrifices, les offrandes, l'adoration, tout devait se passer dans ce lieu. Donc la ville c'était Jérusalem et le lieu c'était au niveau du temple. Donc on peut enlever le passage sur l'écran. Donc le Seigneur commence ici à donner des directives claires. Que ce lieu-là sera un lieu de repos, un lieu où vous allez habiter en sécurité. Mais c'est à ce lieu-là que vous ferez tous les sacrifices et toutes les offrandes. Donc c'était le lieu choisi pour adorer le Seigneur. Donc Jérusalem devait être le centre de l'adoration mondiale. Tous les peuples, n'est-ce pas, notamment à l'époque, quittaient leurs différents pays pour aller adorer à Jérusalem. À Jérusalem. Donc Jérusalem, dans le plan du Seigneur, devait être la capitale, le lieu de l'adoration. Pourquoi? Parce que le temple résidait, n'est-ce pas, à Jérusalem. Mais qu'est-ce qui se passe avec Israël, avec le peuple d'Élohim, après la conquête? On est dans Deutéronome chapitre 28. Donc alors, dans Deutéronome chapitre 28, le Seigneur commence à leur donner des restrictions, tant pour moi. Deutéronome chapitre 28, à partir du verset 15. Donc on est un peu dans l'histoire, ça va aller par la grâce du Seigneur. Deutéronome chapitre 28, à partir du verset 15. Donc le Seigneur va donner à son peuple des restrictions, des choses qu'il fallait faire et qu'il ne fallait pas faire. Donc déjà la première fois, ils ont vécu 400 ans dans, n'est-ce pas, en Égypte, dans l'esclavage. Et on a vu que par la suite, ils sont sortis de l'Égypte, ils ont conquis la terre, ils ont battu tous les peuples qui étaient là, n'est-ce pas? On est dans Deutéronome chapitre 28 à partir du verset 15. Mais si tu n'écoutes pas la voix de Yahweh, ton Elohim, pour prendre garde de pratiquer tous ces commandements et ces lois que je te donne aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui t'atteindront. Donc il dit, mais si tu n'écoutes pas la voix de Yahweh, ton Elohim, pour prendre garde de pratiquer tous ces commandements, ces statuts que je te donne aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui t'atteindront. Donc ici, le Seigneur donne des précisions. Il dit, si quand vous allez rentrer dans ce pays, vous n'obéissez pas à ma voix, vous ne gardez pas mes statuts et mes commandements, voici, n'est-ce pas, les malédictions qui viendront sur toi. Verset 16. Tu seras maudit dans la ville et tu seras maudit dans les champs. Donc on voit ici que le Seigneur dit clairement à son peuple que lorsque vous prendrez possession de Canaan, n'est-ce pas, que vous formerez la nation israélite, si vous n'obéissez pas à ma voix, vous serez maudit dans la ville et vous serez maudit dans les champs. Donc on est dans Deutéronome 28, on va aller au verset, à partir du verset 49, s'il vous plaît. On monte au verset 49. On est au verset 49. Merci. Donc Yahweh fera lever de lui, autant pour moi, des extrémités de la terre, une nation qui volera comme l'aigle, une nation dont tu ne comprendras pas la langue, une nation à la face féroce, qui ne supportera pas la face du vieux et n'aura pas pitié pour le jeune homme.
Elle mangera le fruit de tes troupeaux et les fruits de la terre jusqu'à ce que tu sois détruit. Elle n'épargnera ni blé, ni vin, ni huile, ni portée de ton gros et de ton menu bétail, jusqu'à ce qu'elle t'ait fait périr. Le verset 52. Elle t'assiégera dans toutes tes portes jusqu'à ce que tombent ces hautes et fortes murailles dans lesquelles tu auras mis ta confiance dans ton pays. Elle t'assiégera dans toutes tes portes, dans tout le pays que Yahweh ton Elohim te donne. Donc ici, on a la prophétie liée à la captivité babylonienne. Le peuple, n'est-ce pas, on peut remonter au verset 49. Le Seigneur dit qu'il devait susciter une nation. Voilà, Yahweh fera lever de loin des extrémités de la terre une nation qui volera comme l'aigle. Une nation dont tu ne comprendras pas la langue. Une nation à la face féroce. Ici, on nous parle de Babylone, qui a existé dans les temps anciens, qui avait pour roi Nebuchadnezzar à l'époque. Donc ici, le Seigneur avait déjà prédit la captivité babylonienne de son peuple, si et seulement si ce peuple marchait dans la désobéissance. Et parce que justement, ils ont marché dans la désobéissance, le Seigneur aussi prédit ce qui devait arriver, notamment la captivité babylonienne. Donc Jérusalem, donc le royaume d'Israël a été complètement détruit et rasé. Là, on connaît dans l'histoire, on est ici avant Yeshua. Verset 64. On va descendre le verset 64. Verset 64, Yahweh te dispersera parmi tous les peuples, d'une extrémité de la terre à l'autre extrémité de la terre. Là, tu serviras d'autres Elohim que ni toi, ni tes pères n'avaient connu, le bois et la pierre. Donc ici, on voit encore, le Seigneur encore aller plus loin dans la prophétie. Donc en dehors de la captivité babylonienne qu'il y a eu, le Seigneur dit ici que le peuple d'Israël devait, n'est-ce pas, sera dispersé d'une extrémité de la terre à l'autre, n'est-ce pas? Donc ici on parle de la dispersion, cette dispersion qui a eu lieu dans les années 80, 90, maintenant après le Seigneur Yeshua, avec Titus, qui a complètement détruit et rasé le temple de Jérusalem, qui a complètement détruit la ville de Jérusalem, qui a tué, saccagé le peuple d'Élohim. Et là justement, le peuple de Dieu, le peuple d'Élohim a été dispersé sur toute la face de la terre, en Afrique, en Europe, en Asie, en Océanie. Ils sont dispersés sur la face de la terre. Donc on a vu que cette prophétie que le Seigneur avait donnée, qui était justement conditionnelle à son accomplissement premièrement, à l'an 587 avant Jésus avec Nebuchadnezzar, mais encore il y a eu son accomplissement dans notre ère, à l'an 80. Après la mort de Yeshua. Donc le peuple d'Israël a été détruit et dispersé sur toute la face de la terre. Mais rappelons-nous, frères et sœurs, lorsqu'on a lu Deutéronome 11, le Seigneur avait dit qu'il avait choisi un lieu où il devait faire résider son nom. Donc on voit que si la terre sur laquelle le Seigneur veut faire résider son nom est détruite, il n'y a plus de lieu pour le Seigneur de faire résider son nom. Donc petit à petit, on va voir pourquoi Israël est un signe prophétique. Donc ici, on est dans l'histoire. Donc alors 90 encore, 80 autant pour moi, après la mort du Seigneur, le temple a été détruit, les Juifs ont été dispersés sur toute la surface de la terre. Donc la dispersion ici est un signe prophétique que le Seigneur avait laissé. Donc premier signe prophétique concernant Israël, c'était la dispersion. Deuxième signe, la captivité babylonienne était un signe que le Seigneur avait laissé par rapport à son peuple. Si son peuple marchait dans la désobéissance. Et comme Israël a pleinement désobéi, comme Israël a marché dans la désobéissance, il a été dispersé sur toute la surface de la terre. Et je vous assure, Israël, à partir des années 90, des années 100 de notre ère, en montant, a complètement disparu de la surface de la terre. Le royaume, la nation israélite n'existait plus. Et on voit ici, n'est-ce pas, que le Seigneur avait prédit cela. Donc la terre d'Israël avait été complètement rasée, détruite. Mais pourquoi Israël nous intéresse? Israël nous intéresse parce que justement, Israël, c'est la terre du Seigneur. C'est le lieu, n'est-ce pas, à Jérusalem, précisément c'est le lieu où il a décidé de faire résider son nom. Et on va le voir que lorsqu'il reviendra pour le règne de 1000 ans, c'est à Jérusalem où il est censé régner. Mais on apprend d'abord ici qu'Israël a été amené en captivité, que les Juifs, que les Hébreux, que les Israélites ont été dispersés sur toute la surface de la terre. Donc ici, c'est un peu l'histoire,
Mais l'histoire nous permet davantage de comprendre la parole du Seigneur. On peut prendre vite Daniel chapitre 2. Donc, avec Nebuchadnezzar, n'est-ce pas, captivité babylonienne, le temple détruit, les Juifs amenés en captivité, dispersés dans toutes les nations, la terre d'Israël n'existait plus encore dans ce temps. Donc, Daniel chapitre 2 à partir du verset 36. Et on a vu, on est dans Daniel 2, 36, on peut afficher le passage dès qu'on le trouve, mais on a vu, n'est-ce pas, que Jérusalem devait être le lieu où le Seigneur devait faire résider son nom. On a aussi vu que cette nation était la nation du Seigneur. C'est une nation que le Seigneur a choisie de son propre chef, de sa propre volonté. Mais qu'est-ce qui se passe? Quand Israël est amené en captivité, on rentre dans un nouveau cycle. Daniel 2, à partir du verset 36. Donc, c'est là le rêve. Nous en donnerons maintenant l'interprétation devant le roi. Ô roi, tu es le roi des rois, parce que l'Élat des cieux t'a donné le royaume, le pouvoir, la force et la gloire. Il a remis en tes mains, en quelques lieux qu'ils habitent, les enfants des humains, les bêtes des champs et les oiseaux du ciel. Et il t'a fait dominer sur eux tous. C'est toi qui es la tête d'or. Donc ici, on est sur la statue, la vision que Nebuchadnezzar avait eue, sur la statue d'or. Donc Nebuchadnezzar ici représente la tête d'or, l'empire babylonien, qui représente aussi la bête, n'est-ce pas, le lion. Donc ici, on a, à partir de la captivité babylonienne, on rentre dans l'ère des nations, dans le règne des nations. Dans le règne des nations, on commence à se matérialiser, se mettre en place. Verset 39. Mais après toi, il s'élèvera un autre royaume, moins que le tien, puis un autre royaume, un troisième qui sera en cuivre et qui dominera sur toute la terre. Donc ici, on nous parle en simultané du royaume Médo-Perse, qui a remplacé le royaume babylonien dans l'Antiquité, dans l'histoire, qui représente l'ours, n'est-ce pas? Et le troisième royaume ici, c'est la Grèce, qui représente le léopard. On est au verset 40, on nous parle du quatrième et dernier empire, l'empire romain. Donc il y aura un quatrième royaume, fort comme du fer. De même que le fer brise et écrase tout, ainsi il brisera et écrasera tout, comme le fer qui mène tout en pièces. Puisque tu as vu que les pieds et les orteils étaient en partie en argile, de potier, en partie de fer, ce royaume sera divisé. Mais il y aura en lui quelque chose de la force du fer, parce que tu as vu le fer mêlé à l'argile du potier. Les doigts des pieds étant en partie en fer et en partie en argile, ce royaume sera en partie fort et en partie fragile. Verset 43. Puisque tu as vu le fer mêlé à l'argile du potier, ils seront mêlés à la semence humaine. Mais ils ne seront pas unis l'un à l'autre, de même que le fer ne se mêle pas à l'argile. Donc on va garder le passage sur le grand petit instant. Donc on nous parle ici de la succession des quatre grands empires historiques. L'empire babylonien, ensuite l'empire médo-perse, après l'empire grec et l'empire romain. Et n'oublions pas que Yeshua, homme, est né sous l'empire romain. Et cet empire, on dit qu'il avait une puissance, une force de fer. Et on voit ici que les doigts des pieds étaient une partie en argile, une partie en fer, une partie en argile. Donc on nous parle ici du mariage, de l'alliage entre la Babylone politique et la Babylone religieuse. Donc on nous parle de la Rome, n'est-ce pas, avec le Vatican, et de l'ONU, qui est la plus grande instance qui regroupe toutes les nations pour bien préparer l'avènement de l'anti-machia. On voit ici que ce royaume, les différents royaumes, n'est-ce pas, ont écrasé, ont dominé, ont exterminé la terre, le royaume, la terre d'Israël. La succession de ces royaumes nous parle, n'est-ce pas, de la succession du règne des nations qui sont, n'est-ce pas, manifestées dans l'histoire et dans le temps. Le verset 43 nous intéresse aussi. Puisque tu as vu le fer mêlé à l'argile de potier, ils seront mêlés à la semence humaine, mais ils ne seront pas unis l'un à l'autre, de même que le fer ne se mêle pas à l'argile. Dans l'histoire aussi, on nous parle de Rome, n'est-ce pas, de Rome occidentale et de la Rome orientale, autant pour moi, qui dans les années 1400 de notre ère, si j'ai bonne mémoire, ont vécu le schisme, la séparation, la division. Et puis après, la Rome antique a complètement aussi disparu. Donc ici, on voit dans le temps, on voit dans l'histoire, la succession de différents empires, de différents royaumes. C'est quoi leur importance? Leur importance, n'est-ce pas, c'est que ces royaumes païens, ces peuples païens, ont pris la place du peuple du Seigneur qui était Israël. Parce que justement, la manière dont, avec laquelle ces peuples ont régné, dominé, n'est-ce pas, cela avait été donné à Israël. C'est Israël qui devait régner sur les nations. Et on voit justement dans Matthieu 4,
Satan qui transporte le Seigneur, qui l'amène sur le haut du temple, sur une haute montagne, et lui prend tous les royaumes de la terre. Et lorsqu'il lui prend tous les royaumes de la terre, il dit, si tu te prosternes devant moi et m'adores, je te donnerai tous ces royaumes. Donc on apprend quoi ici? Que Israël, qui était la terre du Seigneur, qui était le peuple d'Élohim, a perdu le royaume, a perdu le règne, a perdu la gouvernance, et cela a été donné à Satan par, n'est-ce pas, la matérialisation des différents empires. Donc là, on est encore dans l'histoire. Ce n'est pas toujours évident, mais le Seigneur est bon. Donc ici, la statue de Nebuchadnezzar nous parle du règne, de la domination des nations. On descend au verset 44, s'il vous plaît. Verset 44. Dans les jours de ces rois, l'élat des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit. Et ce royaume ne passera pas un autre peuple. Il brisera et anéantira tous ces royaumes-là et lui-même sera établi éternellement. Donc ici, après la sion de ces différents empires, de ces différents royaumes, on nous parle d'un cinquième royaume, du royaume du Mashiach, du royaume du Seigneur Yeshua qui viendra, qui va frapper, n'est-ce pas, la statue, qui va s'ébranler. Donc verset 45, c'est pourquoi tu as vu que de la montagne, une pierre a été coupée sans l'aide d'une main, et qu'elle a brisé le fer, le cuivre, l'argile, l'argent et l'or. Le grand Élah a fait connaître au roi ce qui arrivera après cela. Or, le rêve est véritable et son interprétation est certaine. Donc, on voit qu'après la succession de ces différents empires, de ces différents royaumes, il y a un cinquième royaume qui doit être établi. Mais actuellement, on est dans le quatrième empire, l'empire romain. La Babylone politique, la Babylone religieuse. On est dans, n'est-ce pas, le règne des nations. Mais ce cinquième royaume, n'est-ce pas, sera matériel lors de la parousia, de l'avènement physique du Seigneur. Lorsqu'il posera son pied sur la terre sainte, il mettra fin au royaume, au temps des nations. On va le voir au fur et à mesure. Donc on est sur Israël en tant qu'horloge prophétique. On voit que Israël a été détruite, a été rasée et a complètement disparu de la surface. Alors Jésus va donner une prophétie dans le livre de Luc chapitre 21 à partir du verset 20. Si les frères peuvent nous mettre le temps, n'est-ce pas, sur l'écran. Donc on est dans Luc chapitre 21 à partir du verset 20. C'est beaucoup d'histoire, mais cette histoire fait partie de notre vie. Luc 21 à partir du verset 20. Donc le règne des nations est matérialisé par les différents empires. Mais on apprend qu'il y a un cinquième royaume qui mettra fin au règne des nations. Verset 20. Mais quand vous verrez Jérusalem encerclée par des armées, sachez alors que sa désolation est proche. Donc, un autre signe concernant Israël, on nous parle de sa désolation. Donc, on a vu qu'il y a une première désolation à l'époque, avant Yeshua. Mais on voit que Yeshua encore prophétise une autre désolation de Jérusalem. Cette désolation, justement, celle qu'on a vue tout à l'heure avec Titus, les années 80. Jérusalem était encerclée par des armées. Donc un autre signe prophétique, c'est la désolation de Jérusalem qui a déjà eu lieu dans les années 80-90. Verset 21. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, et que ceux qui seront au milieu d'elles en sortent, et que ceux qui seront dans les champs n'entrent pas en elles. Verset 22. Car ce sont là des jours de vengeance, afin que soient accomplies toutes les choses qui ont été écrites. Verset 23. Mais malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront ces jours-là, car il y aura une grande calamité sur le pays et de la colère contre ce peuple. Verset 24. Et ils tomberont sous le tranchant de l'épée. Ils seront amenés captifs parmi toutes les nations. Donc ici, le Seigneur Yeshua encore prophétisait la captivité d'Israël. Que son peuple devait à nouveau être amené en captivité. On a vu la première captivité avec sous Nebuchadnezzar à l'époque, sous l'Empire babylonien. Mais si on apprend encore que son peuple devait être saccagé, devait tomber sous le tranchant de l'épée, et ils seront amenés captifs parmi toutes les nations. Et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli. Donc un autre signe ici fait encore la captivité, la dispersion. Et on a vu que cette prophétie a eu lieu. Israël a été encore rasé, détruit complètement. Cette terre n'existait plus jusqu'à 1948. C'est en 1948, n'est-ce pas, que Israël a été à nouveau reconnu comme une nation, comme un état officiel. Le 14 mai 1948, si j'ai bonne mémoire de notre temps. Et c'est justement la prophétie, n'est-ce pas, d'Ésaïe 66 qui s'est accomplie.
Ou non, pas une terre qui devait naître en un seul jour. Mais on apprend quoi ici? On va garder le verset 24. Et ils tomberont sur le tranchant de l'épée. Titus et son armée ont complètement détruit les Juifs. Il y a eu des centaines de milliers de Juifs qui sont décédés. Et on a vu dans le temps aussi avec Hitler, combien de fois il a aussi saccagé beaucoup de Juifs. Avec Hitler, c'est pas sérieux. Il y a eu à peu près 6 millions de Juifs qui sont morts, si j'ai bonne mémoire. Et ils seront amenés captifs parmi toutes les nations. Ce fut le cas. Alors ici, on apprend que le peuple du Seigneur Israël, qui est la nation choisie, on apprend ici que Jérusalem, qui était le lieu choisi pour faire résider le nom du Seigneur, devait être encore détruit une autre fois. Et cela a eu lieu. Et on apprend quoi? Que Israël devait être foulé jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli. Et on a vu que le temps des nations a commencé avec la captivité babylonienne qui s'est déroulée en 587 avant Yeshua. Mais ce temps des nations prendra fin quand précisément? Le temps des nations prendra fin après la bataille d'Armageddon. Parce que la bataille d'Armageddon, c'est la troisième guerre mondiale qui opposera Yeshua, le peuple d'Israël et son armée aux armées terrestres, aux armées de la terre. Et c'est en ce moment que le Seigneur mettra fin au règne des nations. Mais en ce moment, le temps des nations ne fait que s'accomplir. Le temps des nations est allé vers sa fin. Donc ici, on apprend que Jérusalem devait une fois de plus être amenée en captivité et qu'elle devait connaître quoi? La désolation. C'est un signe prophétique, cette captivité. Et on a vu qu'à chaque fois qu'il y a captivité, à chaque fois qu'il y a désolation du peuple d'Israël, c'est parce que justement, il y a eu désobéissance. Parce que le peuple du Seigneur a foulé au pied la grâce du Seigneur. Ils ont une fois de plus été amenés en captivité. Amen. Et après cette captivité, autant pour moi, le Seigneur avait prophétisé l'alia ou le retour d'Israël à leur terre. N'est-ce pas? On va prendre la Bible dans Joël chapitre 3. Joël chapitre 3, à partir du premier verset. Donc le Luc 21 nous a parlé de quoi? De la désolation, de la captivité d'Israël, d'Israël qui devait être foulé au pied par les nations et de l'accomplissement du temps des nations. N'est-ce pas? Mais on a vu que le peuple d'Israël était choisi par le Seigneur. Et ce lieu-là, c'est où Yeshua doit venir établir son règne millénaire. Joël chapitre 3, à partir du premier verset. Car voici en ces jours-là, et en ce temps-là, quand je ramènerai les captifs de Yehuda et de Jérusalem. Donc on apprend ici, on va d'abord rester au premier verset, que le Seigneur avait prophétisé, avait prévu l'alia. Donc le retour à la maison, l'exil, le retour, autant pour moi de l'exil, l'alia. Car voici en ces jours-là, et en ce temps-là, quand je ramènerai les captifs de Yehuda et de Jérusalem. Donc l'alia a déjà eu lieu. Et jusqu'à présent, l'alia continue. Il y a toujours des Juifs qui continuent à repartir sur leur terre. Parce que justement, lors de cette captivité que le Seigneur avait prophétisée, ils ont été dispersés dans toutes les nations. Le verset 2. Je rassemblerai toutes les nations et je les ferai descendre dans la vallée de Josaphat. Et là, j'entrerai en jugement avec elles à cause de mon peuple, d'Israël, mon héritage, qu'elles ont dispersé parmi les nations de mon pays, qu'elles se sont partagées. Frère, regarde le verset 2 sur l'écran. Un autre signe prophétique par rapport à Jérusalem, par rapport à Israël, c'est la division de la terre sainte. Vous savez justement, vous connaissez, on l'a vu en histoire à l'école, ce conflit israélo-palestinien. Parce que les Palestiniens justement ont estimé que les Juifs, qu'Israël les a trouvés sur la terre. Parce que justement quand il y a eu l'exil, dans les années 80, et dans les temps anciens, n'est-ce pas, la Cisjordanie, la Palestine, donc tous les peuples arabes là qui sont autour de Jérusalem se sont installés sur la terre sainte. Et maintenant, à partir des années 1948, donc avant, un peu avant, lorsqu'il y a eu l'Alia, et en 1948, donc pour moi, lorsqu'il y a eu la déclaration officielle d'Israël comme une terre officielle, comme un État souverain et autonome, n'est-ce pas, les Palestiniens étaient déjà installés sur cette terre. C'est de là où parle le conflit israélo-palestinien, parce que les Palestiniens estiment que les Juifs les ont trouvés là. Mais ils oublient qu'avec Abraham à l'époque, c'est la terre que le Seigneur leur avait donnée en héritage. Donc, qu'est-ce qui se passe actuellement? Il se passe que à Jérusalem-Est, là où il y a actuellement la grande mosquée d'Al-Aqsa, autant pour moi, c'est un peu difficile à prononcer. À Jérusalem-Est, il y a une grande mosquée d'Al-Aqsa, il y a aussi un drone là.
Les frères peuvent peut-être faire des recherches et nous apporter sur l'écran tout à l'heure. À Jérusalem Est, là où était situé le temple de Salomon, le grand temple de Salomon, il y a la grande mosquée des Palestiniens là sur cet endroit. Et justement, actuellement, ce conflit, c'est parce que les Palestiniens veulent que la partie Est leur soit accordée comme la capitale de leur peuple, de leur pays. Mais le souci, c'est quoi? C'est que sur cet endroit, Jérusalem Est, c'est là où était construit le grand temple de Salomon. Et vous savez que c'est sur le temple, c'est au niveau du temple de Salomon, le Seigneur doit établir son règne de 1000 ans. On va le voir dans Zacharie tout à l'heure. Donc cette terre-là va être divisée. Jérusalem, justement, qui a été reconnue comme la capitale internationale, qui n'appartient ni à Jérusalem, qui n'appartient ni aux Israélites, ni aux Palestiniens. Elle est reconnue comme capitale internationale. On apprend ici par la prophétie de Joël que Israël va être divisé en deux, Jérusalem. Donc une partie reviendra aux Juifs, aux Israélites, une autre partie reviendra aux Palestiniens. Mais qu'est-ce qu'on apprend? Remettons le passage sur l'écran, frère, s'il vous plaît. Donc un autre signe prophétique concernant Israël, c'est le partage de la terre sainte. Donc on a vu, n'est-ce pas, il y a quelques années, Donald Trump qui avait décidé de faire de Jérusalem, autant pour moi d'installer l'ambassade des États-Unis à Jérusalem. On l'a vu il y a quelques temps et plusieurs autres nations ont suivi. Mais ici, on apprend qu'au-delà de toute cette bonne volonté de vouloir reconnaître Jérusalem comme la capitale d'Israël, excusez-moi, on apprend, selon les prophéties bibliques, qu'Israël, que Jérusalem va être divisée en deux. Donc, je rassemblerai toutes les nations et je les ferai descendre dans la vallée de Josaphat. Donc, ici, on apprend que le Seigneur reviendra pour juger les nations. Et là, j'entrerai en jugement avec celle, avec elle, donc avec toutes les nations à cause de mon peuple, d'Israël, mon héritage qu'elles ont dispersé. Donc pourquoi? Voilà la mosquée Al-Aqsa. Merci. Donc, on apprend ici que le peuple d'Israël a été dispersé. Le Seigneur va revenir justement parce que son peuple a été dispersé. Il va juger les nations à cause de cela, premièrement. Deuxièmement, on apprend que son peuple, son pays a été partagé. À l'époque, sous Babylone, sous les différents empires, Israël n'était pas partagé. Israël n'existait plus. Mais aujourd'hui, on a d'un côté Israël, de l'autre côté la Palestine. On apprend que la terre sainte va être partagée en deux. Et justement, de ce signe va découler la colère du Seigneur. C'est pourquoi Yeshua est en train de revenir. Voici pourquoi on doit se préparer. Donc, remettons le passage, s'il vous plaît, frère. Ce passage nous intéresse beaucoup. Donc, un autre signe. Donc, je rassemblerai toutes les nations et je les ferai descendre dans la vallée. Donc, on apprend ici qu'il y aura le jugement des nations. Pourquoi? À cause, un, de la dispersion des Juifs qui ont été dispersés et de son pays qui sera partagé. Donc, un autre signe prophétique, c'est, montons un peu au premier verset, s'il vous plaît, frère. On revient au premier verset. De Joël 3. Car voici en ce jour-là et en ce temps-là, quand je ramènerai les captifs de Yehuda. Donc le premier signe, c'est le retour de l'exil, l'Alia, qui a commencé à avoir lieu depuis plusieurs années. Donc en 1948, comme je l'ai dit tantôt, Israël était reconnu comme un État officiel. Pourquoi? Parce que justement, le Seigneur doit revenir et doit régner à Jérusalem. Donc premier signe ici, c'est le retour de l'exil, donc l'Alia, qui a eu lieu depuis plusieurs années. Le deuxième signe, c'est le rassemblement des nations sous la vallée de Josaphat, sous de Megiddo, pour la bataille d'Armageddon. Et le troisième signe qu'on apprend ici, c'est que bel et bien évidemment, Jérusalem va être divisée. Parce que justement, à Jérusalem Est, on a la grande mosquée d'Al-Aqsa. Mais c'est aussi à cet endroit qu'il y avait le troisième temple. Donc on apprend que Jérusalem va être divisée. Donc un autre signe encore prophétique concernant Israël, c'est la reconstruction du troisième temple. Et toutes ces choses, frères, sont dans les coulisses en train de se mettre en place. Dans peu de temps, Jérusalem sera partagée en deux. Et quand Jérusalem sera partagée en deux, la colère du Seigneur va se réveiller. Il sera obligé de revenir parce qu'il ne pourra pas supporter que sa terre soit partagée pendant longtemps. Parce que n'oublions pas qu'il revient. Un autre signe prophétique, c'est le partage de la terre d'Israël, c'est la reconstruction du troisième temple. On est dans 2 Thessaloniciens. 2 Thessaloniciens, chapitre 2. C'est pas évident, mais le Seigneur est bon.
2 Thessaloniciens chapitre 2, on va lire à partir du premier verset. Donc Israël est une horloge véritablement prophétique. Pourquoi? Parce que c'est la terre du Seigneur. Donc 2 Thessaloniciens chapitre 2 à partir du premier verset. Mais au sujet de l'avènement de notre Seigneur Yeshua Mashiach et de notre rassemblement auprès de lui, nous vous supplions, frères, de ne pas être rapidement agités hors de votre pensée, ni troublés par un esprit, par une parole ou par une lettre, comme si c'était par nous, comme quoi le jour du Mashiach était imminent. Que personne ne vous trompe d'aucune manière, car il faut d'abord que vienne l'apostasie et que se révèle l'homme de péché, le fils de la perdition. L'adversaire est celui qui s'élève contre tout ce que l'on nomme Elohim ou que l'on adore. Il va jusqu'à s'asseoir comme Elohim dans le temple d'Elohim, se montrant lui-même comme étant Elohim. On va garder le verset 4 sur l'écran. Donc on apprend que l'anti-Mashiach va jusqu'à s'asseoir dans le temple. Mais frère, il va s'asseoir sur quel temple? Alors qu'actuellement le temple est détruit. Donc on apprend par ce passage que le troisième temple va être reconstruit. Mes frères, lorsqu'on s'informe, on se rend compte que tous les ustensiles du temple, je dis bien tous les ustensiles du temple ont déjà été retrouvés. Et il y avait une information que je regardais, une vidéo que j'ai regardée il y a plusieurs années en arrière. J'ai même appris par cette vidéo que l'arche du témoignage avait été retrouvée. Donc tous les ustensiles ont été retrouvés du temple. Tout est prêt pour que le temple soit construit. Et ces juifs orthodoxes disent quoi, n'est-ce pas, que même au bout de 6 mois, ils peuvent complètement reconstruire le temple. En très peu de temps, ils peuvent le reconstruire totalement. Donc la construction du troisième temple de Jérusalem est un signe prophétique concernant Israël. Parce que si on apprend que l'anti-Mashiach va jusqu'à s'asseoir comme Elohim dans le temple, se montrant lui-même comme étant Elohim. Maintenant, à quel moment ce troisième temple va être reconstruit? On n'a pas de précision. Mais il y a une forte probabilité que le troisième temple soit reconstruit avant l'enlèvement de l'église. Il y a une forte probabilité. Parce que justement, durant les 3 ans et demi de la grande partie de la grande tribulation, les premiers 3 ans et demi de son nom de Père, l'homme est pied déjà là et le temple est déjà construit. Parce que justement, il fait des sacrifices dans le temple. C'est à partir de la seconde partie de la grande tribulation, de 3 ans et demi, qu'il va maintenant établir l'abomination de la désolation dont Daniel avait parlé dans le lieu très saint. Donc frère, un autre signe concernant Israël, c'est la reconstruction du troisième temple. Et cela est quasi acté. Mais on voit que sur ce lieu, n'est-ce pas, géographique, où il y a le troisième, où il y avait le temple de Salomon, il y a actuellement la grande mosquée. Donc le premier signe d'abord, c'est le partage de la terre. Il faut d'abord que Israël, que Jérusalem soit partagée en deux. Et que justement, la partie où il y a la grande mosquée revienne aux Palestiniens. Parce que ça va leur revenir cette partie. Et les Juifs vont perdre la partie où il y avait le temple de Salomon. Et c'est justement après de ce moment, la colère du Seigneur va s'abattre. Et il va revenir et le processus va être enclenché. Donc au regard de toutes ces choses, frères, on réalise que le Seigneur est en train de revenir. Il va rétablir son règne à Jérusalem. Donc on va prendre Joël chapitre 3, le verset 6 à 9, s'il vous plaît. Joël chapitre 3, verset 6 à 9. Fait beaucoup de choses. Mais le Seigneur va nous aider. On veut se battre pour donner vraiment l'essentiel parce qu'il y a beaucoup d'informations concernant Israël. Joël chapitre 3 à partir du verset 6. Donc qu'est-ce qu'on apprend à partir du verset 6 par exemple? Vous avez vendu les enfants de Yehuda et les enfants de Jérusalem aux enfants de Yavan afin de les éloigner de leur territoire. Vous voyez, non, ça a eu lieu déjà. Voici, je les réveillerai du lieu où vous les avez vendus et je ferai retomber votre récompense sur vos têtes. Je vendrai donc vos fils et vos filles aux mains des enfants de Yehuda. Et ils les vendront à ceux de Séba qui les transporteront vers une nation éloignée, car Yahweh a parlé. Verset 9 qui nous importe. Publiez ceci parmi les nations, préparez la guerre. Réveillez les vaillants qui s'approchent et qu'ils montent tous les hommes de guerre. Donc ici on nous parle de la préparation de la bataille d'Armageddon. Mais cette bataille ne pouvait pas avoir lieu, n'est-ce pas, sans que l'alliance n'ait lieu. Cette bataille ne peut pas avoir lieu tant que le troisième temple ne soit reconstruit. Donc on voit que tous les signes sont en train de se mettre en place pour préparer justement l'avènement du Seigneur. Le retour de l'exil, l'alliance, est un signe qui annonçait le retour du Seigneur. Parce qu'il va régner sur les Juifs à Jérusalem, n'est-ce pas?
On a parlé de la construction du deuxième temple. On va prendre un autre passage dans Zacharie chapitre 14. Zacharie chapitre 14 à partir du verset 9. Zacharie chapitre 14 à partir du verset 9. Donc tout ce qui se passe concernant Israël, toute l'actualité qui se passe autour d'Israël n'est pas une actualité à négliger et à banaliser. Toute l'actualité autour d'Israël prépare le retour du Seigneur. Premièrement, on a parlé de la captivité des Juifs, de la désolation, n'est-ce pas, qui a eu lieu avec Titus. Deuxièmement, on a parlé de quoi? On a parlé de Jérusalem, du temple qui devait être détruit et rasé complètement. Ça a eu lieu. Troisièmement, on a parlé de quoi? On a parlé de l'alliance, du retour qui a déjà eu lieu. Quatrièmement, on a parlé de quoi, n'est-ce pas? De la reconstruction du troisième temple qui est en train de se mettre en place. Et là, on ne fait pas de quoi? De la bataille d'Armageddon qui aura lieu. Pourquoi? Parce que la terre de Jérusalem sera divisée. Donc le partage de Jérusalem va bientôt être acté par les nations. Ça aura bel et bien lieu. Donc, et un autre signe, c'est Zacharie 14 à partir du verset 9. Pourquoi Israël est une horloge prophétique? Yahweh sera roi sur toute la terre. Donc on dit Yahweh sera roi sur toute la terre. Donc on nous parle du règne du Mashiach. Donc ici on apprend que le Mashiach va régner sur toute la terre. Mais pourtant il ne règne pas actuellement parce que le règne en ce moment appartient à Satan. Donc on apprend que Mashiach va régner sur toute la terre. Mais on apprend aussi qu'il va rétablir ou restaurer le royaume d'Israël. Il va restaurer, n'est-ce pas, son règne. Donc et en ce jour-là, Yahweh sera un et son nom sera un. Toute la terre deviendra comme la région aride, depuis Geba jusqu'à Rimmon, au milieu de Jérusalem. Et Jérusalem sera exalté et restera à sa place. Donc ici on apprend que Jérusalem sera exalté et sera à sa place. Donc le Seigneur va reconstruire, va rebâtir, va restaurer Jérusalem. Va restaurer le règne du Mashiach à Jérusalem. N'est-ce pas non? On apprend que Jérusalem sera exalté et restera à sa place, depuis la porte de Benjamin jusqu'à l'endroit de la porte, de la première porte, jusqu'à la porte des angles, et depuis la tour de Hananel jusqu'au pressoir du roi. Verset 11, on y habitera et elle ne sera plus vouée à une entière destruction. Donc on apprend que Jérusalem ne connaîtra plus la destruction. Pourquoi? Parce que le Seigneur mettra fin au règne des nations. Jérusalem sera habitée, elle sera en sécurité. Donc on apprend que lorsque le Seigneur reviendra physiquement, lors de son avènement, il va restaurer Jérusalem. Le temple sera reconstruit. Israël sera habité et sera en sécurité. Ce n'est pas le cas actuellement. Israël n'est pas en sécurité. Israël est encerclé par des armées et encerclé par des peuples aux alentours. Donc on va prendre le verset 16 qui nous importe. On va bientôt terminer. Le verset 16. Et il arrivera que tous ceux qui resteront de toutes les nations venues contre Jérusalem monteront en foule d'année en année pour adorer le roi Yahweh Sabaoth et pour célébrer la fête des tabernacles. Cette fête des tabernacles sera célébrée à Jérusalem. Donc le temple sera reconstruit. Le règne du Seigneur sera établi à Jérusalem. Et on apprend que les nations iront adorer là-bas. C'est durant le règne millénaire. Donc Israël est une horloge prophétique. Pourquoi? Parce que le Seigneur doit venir régner à Jérusalem. Israël est une horloge prophétique. Pourquoi? Parce que le lieu que le Seigneur a choisi, c'est Jérusalem. C'est Jérusalem au niveau du temple. Israël est une horloge prophétique. Pourquoi? Parce qu'elle sera restaurée. Parce que son règne va être restauré. Et par Jérusalem, par Israël, toutes les nations de la terre seront bénies. Donc on va prendre le dernier passage. Avant de terminer, c'est Zacharie 14 à partir du premier verset. Donc on va arrêter donc peu de temps, on va prendre un dernier passage. Zacharie 14 à partir du premier verset. Voici le jour de Yahweh, on nous parle du jour de Yahweh arrive. Et tes époux seront partagés au milieu de toi, Jérusalem. Je rassemblerai toutes les nations à Jérusalem pour qu'elles lui fassent la guerre. Donc ils nous parlent de la guerre d'Amarédon. N'est-ce pas? La ville sera prise, les maisons pillées, les femmes violées. La moitié de la ville ira en captivité, mais le reste du peuple ne sera pas retranché de la ville. Alors Yahweh sortira et il combattra contre ces nations comme il a combattu au jour de la bataille. Donc il y a la bataille d'Amargédon. Verset 4, on va terminer. Ces pierres se poseront ce jour-là sur la montagne des Oliviers, qui est vis-à-vis de Jérusalem du côté de l'Orient.
Et la montagne des Oliviers se fonda par le milieu, à l'Orient et à l'Occident, de sorte qu'il y aura une très grande vallée. Une nation de la montagne reculera vers le nord et l'autre moitié vers le midi. Donc on apprend que le Seigneur reviendra physiquement et qu'il va poser son pied sur le mont des Oliviers, sur la montagne des Oliviers. Il mettra fin au règne des nations, c'est la bataille d'Armageddon. Israël sera reconstruit, Israël sera restauré entièrement et le Seigneur va établir son règne à Jérusalem durant 1000 ans et les nations iront adorer à Jérusalem. Donc on va être plus ou moins obligé de courter le partage à cause de la pluie. Voilà, c'est des intempéries, c'est des choses qui peuvent arriver. Donc je crois que l'essentiel a plus ou moins été dit. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Israël est une horloge prophétique. Donc le Seigneur va établir son règne là-bas à Jérusalem. Donc tout ce qu'Israël vit a un lien avec le retour du Seigneur. Toute la haine que tous les peuples ont contre Israël, c'est lié au retour du Seigneur. Parce que le Seigneur va juger toutes les nations à cause de son peuple. Donc que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde. Bonne soirée chez vous. Paix et grâce. We'll be right back.